Yo tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Pass of Titan. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les commentaires? Vous êtes des malades, vous êtes des grands malades, mais pour de vrai, on va aller checker un peu. Je vous avais dit de spammer, je pensais que vous allez le faire, mais pas à ce point-là. Vous êtes des tarés, vous êtes vraiment des tarés, mais c'est bien, c'est bien. Et vous êtes des fous. 574 commentaires. Donc vous imaginez bien que j'ai tout compté. Et il y a très exactement 302 succomimus contre très exactement 274 concavenator. Non, vous imaginez bien que j'ai pas compté. Vous imaginez bien. Vous êtes des tarés. Ça me va droit au cœur d'avoir une communauté de fous furieux comme ça. Que vous suivez mes vidéos. Vraiment, ça fait plaisir. Qui a gagné dans tout ça? Qui a gagné? Alors on va faire un tour vite fait. Là on voit, on va à vue d'œil. Là on voit le Spino, il y a beaucoup. Concavenator, là il y en a vraiment beaucoup. Succo, tout ici. Succo, Concavenator, lire la suite. Mon dieu, les bandes de tarés. Mais vous êtes vraiment des malades. Vous êtes vraiment des psychopathes. Mais sérieux. Allosaur, alors Allosaur, Apival, il n'y a pas dans le jeu. Pas pour l'instant en tout cas. Succo, Allosaur encore, Concavenator, bande de malades. Il y en a qui ont essayé de mettre des commentaires au milieu, hein, mais bon. Alors pareil, le Daspletosaur, il n'y a pas. Il n'y a pas pour l'instant. Mais il y sera peut-être, du coup. Alors, du coup, Deinonychus, lui c'est un troller, hein, on connaît. Hein. Deinonychus. Succo. Daspley, Succo. Et là, voilà. Sprint Trap. Hein, ça va pas bien. Hein. Ça va pas bien, Sprint Trap. Il a spammé. Isox, il a spammé quand même malade aussi encore. Mister Ellipse, un grand malade aussi. Lorenzo, un fou. Sprint Trap qui revient. Vous êtes des tarés. Vous êtes des tarés. Du coup, Succo, il y en avait vraiment beaucoup. Hein. Allosaur, il n'y a pas. Je suis désolé. Apival, il n'y a pas. Hein. Daspleto, pareil. Il y en a, ils sont fait chier à spammer pour rien. Mais c'est bien. Continuez dans la prochaine vidéo. Hein, c'est bien. Daspleto, Spino, Alphaju, encore un psychopathe. Par ici. Ah, lui, il a été tranquille. Tony Aloha, tranquille. Isabelle, encore un psychopathe. Et Dylan, qui a dit Spino. Un commentaire pour Dylan. Pas s'il y en a mis d'autres après. Bref, bon, dans tout ça, c'est quoi le résultat? Le résultat, c'est que c'est le Succo qui a gagné. C'est le Succo qui a gagné. C'est celui où j'ai vu le plus de fois le nom ressortir. Quand je scroll comme ça, c'est le Succo. Après, c'est, je pense, le Spino. Le Spino ou Concavenator, je sais pas. Bref, vous avez compris. On va partir avec le Succomimus. Alors, est-ce qu'il sera un justicier ou pas? Alors, Succomimus, masculin, féminin. Ça ne change absolument rien. Ténéren 6. Ouh, Larenti. Joli celui-là. Ouh, les gros lards. Anguilla. On va prendre le gros. Alors, on va appeler Togmar. Togmar. Voilà. Et on le crée. Voilà, très bien. Et on rentre dans le monde. Bon, les couleurs, il est énorme. Il est vraiment énorme. Ah, il a deux attaques. Pom. Gauche droite. C'est cool qu'il ait deux attaques. Alors les cris. Ok, ça c'est le cri d'appel. Cri gentil. What the fuck, il est déter quand il est pas content. Ça c'est genre. Là, c'est pas trop le cri de peur. Vas-y, la musique, casse les oreilles. C'est pas trop le cri de peur, en fait. C'est plus un cri d'appel. Hein. Genre, au secours, les potes. Ok, ensuite. Bon, ensuite, il secoue, normal. Oh, il s'étire. Oh, yes, ça fait du bien. Et est-ce qu'on peut s'étirer de l'autre côté? Non. Ok, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Ok, je sais plus où j'ai appuyé. Allez, il se gratouille. Oh, il est mignon. Ça gratte. D'accord. Ok, on va se poser, on va voir comment ils se posent. Ils ont tous la même façon de se poser.
Ça, je trouve ça un peu dommage. Hein. Ils se passent tous comme ça, à peu près. Et on va se pioncer. Il fait comment? Ok, il fait comme ça. Et il va mourir noyé, clairement. Est-ce qu'il met du saignement? Est-ce qu'il met pas de saignement? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait pas? Est-ce qu'il nage vite? Est-ce qu'il court bien? On va voir ça tout de suite. Alors, courir. En vrai, ça va. En vrai, ça va. J'ai l'impression qu'il court quand même assez vite. Ça va. Par au niveau stam, c'est pas trop ça. Clairement, la stam, elle descend très vite. Elle descend très vite. Bon, après, c'est un gros lard, donc c'est normal. Et il y a beaucoup de choses à porter. Ensuite, est-ce qu'il régène vite sa stam? Ouais, ça va. En vrai, ça va. Si je me couche, ça va aller à 10 000 à l'heure, du coup. Devant ça. Ouais, très bien. D'accord. Bon, super. Et est-ce qu'il saute? Oh, tu gazouilles. Tu gazouilles. Est-ce qu'il saute? Non, il saute pas. Hein. Beaucoup trop gros. Bon, comme d'habitude. Combat. Marche comme un cow-boy. Il marche comme un cow-boy. Regardez-le. Bam. Il est fier de lui. Il se colle juste. Eh, j'ai l'impression que c'est lui. Hein. Il a les mêmes gènes. Regardez. C'est le patron, là. Ça se voit. Bon, alors, vous allez des embrouilles, les gars. Voilà, j'arrive dans le grand lac pour faire régner la justice. Il y a un truc derrière moi. Mais tu veux quoi, toi? Non, s'il vous plaît, me tuez pas. Monsieur? Bon, je mets pas saignement. Vas-y, c'est un maîtria, ça, je reconnais, dégage. Qu'est-ce qui se passe? Non, il y en a plein. Il y en a plein. J'ai plus de stam. Bon, je mets des droites. Vas-y, vas-y. Non, je suis pas dans l'eau. Vous avez pas le droit. Vous avez pas le droit. Je viens juste d'arriver. Non, s'il vous plaît. Oh là là, il est trop dur à se retourner. Vas-y, il me ass-ride. Ouais, à deux, vous voyez. N'empêche, voilà, à deux maîtrias, c'est hyper simple. Allez, allez, c'est bon. Ouais, je vais devoir refaire le trajet, quoi. Alléluia. Mes frères et mes sœurs. Alléluia. Alléluia. On est au lac. On a spawn au lac. C'est incroyable. Alors, il y a quoi? Non, pas vous. Racaille de maîtria. Je prends tellement flanc gauche avec ces rochers. Ah mais en groupe, en vrai, ils sont trop forts. Hein. Regardez, je vais me faire bouffer encore. Respectez Suco le juste. Respectez-moi, bon sang de boeuf. Mais il s'est pas mis à courir. C'est grave. Il s'est pas mis à courir. Vas-y, vas-y, vas-y. On n'est pas fou. Ouais, c'est ça. Vas-y, mais sérieux. Pourquoi je me fais agresser comme ça, là? Je vais me battre, vous inquiétez pas, je vais pas fuir. Je me battrai jusqu'à la mort pour sauvegarder mon honneur dessus, Comimus. Paf! Dans les dents. Ah, tiens, je t'ai mis du saignement. Vas-y, reviens si tu l'oses. Ah, je t'ai mis une patate à toi, mon pote. Allez, 1v3, j'ai pas peur de vous, moi. Toi, reviens, je t'éclate. Non, 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 non. Accepté. Et il a fait exprès. Il a fait exprès. Il m'a invité pile au moment. En vrai, les dégâts qu'ils me font, ils sont légers. Hein. Ils sont légers. Hey, toi, je te remettre une baffe, tu vas voir. Y'a quoi? Y'a un trike là-bas, là? Enfin, c'est un diablo, genre. Vas-y, venez vous battre. Vous voulez quoi, en fait?
Moi je l'ai déchiré lui. Je te veux pas de mal à toi, lâche-moi. Après je te bouffe. En vrai je leur ai tellement fait mal qu'ils sont partis hein. Il se passe quoi là-bas? Bagarre générale, psychologiste. Je l'ai démonté encore là. Allez, alors. Ça fuit contre la puissance du Spino. Bon, il va pas y avoir de quartier, je vais l'allumer le Triceratops là. C'est pas un Triceratops, je sais. C'est pour voir le combat, c'est pour le tester, je suis désolé gros. Je suis désolé, par contre, attends-moi, je te dis. Attends-moi pour que je te bute. Là, il a confiance en moi, c'est terrible. Ouais, je t'ai trahi. What? Fais mal. Il va mass ride. Ah. Ah vas-y, ok, j'ai eu de la chance, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai encore respawn à côté du lac, donc, premier bilan, le Succo nage, donc ça c'est pas mal, là je suis en nage rapide et vous voyez qu'il ne consomme pas du tout son endurance, par contre, si je coule et que je fais nage normale, voilà, nage lente, sous l'eau, je consomme pas d'endurance, par contre si je fais nage rapide, je consomme l'endurance. Je pense que c'est juste, voilà, pour pas abuser et rester sous l'eau en permanence et du coup ne jamais prendre de risques en fait, en allant quand même assez vite. Voilà, les courses poursuites sous l'eau, ça permet d'éviter ça peut-être. Bon, donc, du coup, on va quand même nager à la surface. Hop, 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 à la surface. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire sur cette bestiole? Vraiment, il est bien fait, il est super joli. Il est balèze, il est badass, tout ce que vous voulez. Mais par contre, il est balourd. Hein, il est balourd, hein. Franchement, il se contrôle très mal. Il a très peu stam à la surface. Donc, il est fait pour être joué dans l'eau, clairement. Ça, c'est sûr. Ou à proximité d'une plage. Ça, c'est une certitude. Il court quand même très doucement. Hein, mine de rien, les maîtrias, impossible de le rattraper. Même le... L'herbivore là, avec qui j'étais, je sais pas comment il s'appelle celui-là, mais même celui-là, impossible de le rattraper. Voilà, il est quand même très difficile à gérer en combat, c'est-à-dire qu'il se retourne très lentement sur les côtés. Alors ça va quand même, c'est moins pire que dans The Isle. Mais du coup, il faut imaginer que c'est moins pire pour les dinosaures qui sont un peu plus maniables. Et moi, je préfère quand même les dinosaures, voilà, avec du gameplay dynamique quoi. Genre le Maitria, j'ai vraiment kiffé de ouf quoi. Après, vous voyez, regardez, il se retourne quand même assez bien. Hein. En fait, on peut jouer. Voilà, comme je l'ai fait au début dans le combat, on peut jouer défensif, voilà, pour pas se faire un dinosaure plus petit, même 3-4, voilà, je me mets comme ça, ils peuvent rien faire, ils peuvent pas me tuer. Mais par contre, pour jouer agressif, c'est mort. Bah, une fois que je suis genre là, voilà, bon, imaginez que je suis vraiment au milieu d'une plage qui a pas trop de, qui a pas de rochers ou quoi, là, je peux plus me défendre. Je me retourne bien, hein, enfin, bien, ça va, mais bon, c'est pas non plus voilà, hein. Ouf, hein. C'est pas ouf, regardez. On va voir combien de temps je me mets pour aller pour faire un 360. Pas rapide, hein. C'est clairement pas rapide. Pour, bon, voilà. En gros, contre des groupes de dinosaures, vraiment, c'est dead de chez dead. Contre les plus gros, je pense qu'on se fait arracher. Vous avez vu les dégâts que m'a mis l'herbivore, quand même. Hein. Je pense qu'on se va contre un Sarcosuchus. Ou un Spino, mais on se fait déglinguer. Clairement, on n'a aucune chance de gagner. Ça passe quoi, là? Ah, le Concavenator, c'est vraiment une victime, par contre. Il est empoisonné. Allez, battez-vous dans mes yeux. C'est qui, ça? Ça, c'est quand même une affaire pour Succo le Juste. Qu'est-ce qui se passe? Calmez-vous, mon sang. Toi, t'es mort. Voilà, t'es mort. Le Conca... Je t'avais dit. Et toi, tu es coupable de meurtre. Viens te battre. Viens te battre, je te dis.
Mais bon, hey, de toute façon, tu risques juste de perdre. Il est où? Il joue à cache-cache. Tu risques juste de perdre le lac. Après, c'est bon. Après, tu. Voilà, je t'ai défoncé. C'est pour les autres. Pouah, mais j'ai mis une baffe. J'ai mis un taquet, il a pas compris quoi. Alors, Maitria, tu faisais le foot tout à l'heure? Avec tes potes, mais en solo, tu fais que dalle, hein. Tu fais que dalle. Bon, il est fort quand même, hein. Il est fort quand même contre les plus petits. Il y a quand même pas. Ouais, quand même, hein. Je suis plus gros, quoi. Yo, Maximus. Salut à toi, Maximus. Bon, je continue à faire la patrouille. Suco le juste en patrouille. Attendez, il y a un embrouille devant. Il y a quoi? Il y a un croco. Ouais, mais ça, par contre, 100%, ça me détruit. Hein. Calme-toi, calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux te battre? Je te défonce, moi, tu veux quoi en fait? Tiens! Voilà le croco de merde! Tu faisais la racaille la dernière fois, je t'ai vu sur la plage! Tu faisais le patron là! Ouais, c'est ça, barre-toi! Vas-y, je vais te fumer, moi aussi je sais nager! Combat aquatique! Qui nage plus vite, le croco ou le. Le succo? Viens là, tu veux quoi en fait? T'es mort! C'est succo le juste derrière toi! Il t'a vu que tu faisais le voyou! Tu crois faire le patron sur cette plage? Mais non, le patron, c'est succo juste. C'est succo juste et c'est tout. Alors viens là. T'es mort. Tu n'as aucune chance de t'en sortir. Je te lâcherai pas, je te le dis. Hein. Je te lâcherai jamais. Pour tous tes méfaits, toi et ta famille. Je sais pas où je suis là. Il y a une île normalement là. Il veut quoi là? Il arrive hein. Il veut m'attaquer. Voilà. Bon, par contre il m'a tellement arraché. Regardez la vie que j'ai. Par contre il m'a pas mis de saignement. Mais c'est un truc de fou comme il m'a arraché quoi. C'est vraiment un truc de fou. Par contre il est mort. Bon. What? Tu veux quoi, toi? Non, non, non. Voilà, ça dégage. Tout le monde a peur de la justice de Succo, le justicier. Bon, en gros, ouais, j'ai quand même réussi à tuer un crocodile avec Succo le juste. Parce que, hein, on avait vu dans l'épisode précédent avec le Maitriacanthosaure que ben, les crocodiles sont des vermines. Des petites racailles qui font la loi sur les plages. Mais la loi, c'est Succo le juste. Regardez ça, en plus ça démarche, ça monte bien. Hein. Par contre, qu'est-ce qui se rame là? What? Aïe, 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 aïe. C'est une mort assez pitoyable, on va dire. Un backstab, dégueulasse. C'est sale, Succo le juste ne méritait pas ça. Bon, bah écoutez, dans l'ensemble, j'ai quasiment tout dit dans la vidéo, je pense. Je vais faire une conclusion très rapide. Il est fort, mais il est quand même très balourd, très pato. Je pense que contre les plus gros dinos que lui, en fin de compte, il fait déchirer. J'ai réussi à faire du mal au Sarcosuchus, parce que je suis arrivé dans le dos et je l'ai astride. Mais vous avez vu, quand il m'a mordu, il m'a déchiré, il m'a éclaté. Les autres, les plus petits dinosaures, j'ai réussi à les choper, mais parce qu'ils ont joué avec moi. Ils sont venus trop près. Sinon, c'était impossible de les rattraper. Donc, je sais pas. Le Succomimus, il est pas ouf, je trouve. Trop lent. Par contre, Succo le juste, il est incroyable. Je sais pas si vous avez vu ça. Il a quand même tué un Sarcosuchus. Il a rétabli la justice sur Panjura. C'est la map de...
partidis. Bref. Bon, ben pour votre prochain Zino, faites comme vous voulez. Faites comme vous voulez. Si vous voulez spammer, vous spammez. Si vous voulez pas spammer, vous spammez pas. Vous faites ce que vous voulez. En tout cas, je vous remercie de m'avoir fait rêver, d'avoir spammé comme ça. Vous m'avez fait ma journée. Bah écoutez, spammez les pouces bleus. Spammez les abonnements pour ceux qui sont pas abonnés. Hey, faites-le. Et pour finir, moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est... Tchuss tout le monde.